vous allez rien apporter. Et je lui ai dit, la chose la plus importante, c'est qu'ensemble, nous puissions voir la Bible et le Coran, où est-ce que ça nous mène, tous ces deux livres. Je crois qu'il est d'accord par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous allons réfléchir prochainement là-dessus. C'est pour ça que les deux documents que je vais utiliser pendant mon expression, c'est la Bible et le Coran, parce que je me suis déjà entretenu là-dessus pour pouvoir parler. Merci. Ceci étant, bon, j'ai la même difficulté que l'imam. Je me demande parfois comment les gens font pour parler 20 minutes, puisque mon court sermon c'est 5 heures. Je me demande bien comment je fais. Donc, quand cela ne tient, je voudrais m'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Ici, nous avons parlé de ce qui se passe, la sexomie. C'est aussi que je comprends ce mot. Ce n'est pas dans la Bible dont je n'étais pas au courant. Donc, et tout ce que le professeur a développé, je suis davantage touché par rapport à ça. Mais ils ont parlé de ce qui se passe dans les rêves. Mais ici, moi, je voudrais parler de ce qui se passe pendant que nous sommes couchés. Et je voudrais que vous reteniez les enfants, parce que je voudrais quand même passer ici une vidéo que nous connaissons tous, je crois. Je crois que vous avez déjà vu ça sur... Hein? Ça passe, ouais. Alors la femme est très étonnée de ce qui se passe pendant la nuit. Elle croit que c'est son mari, mais lui, il dort profondément. Elle se recouche. Elle est consciente que quelque chose ne va pas. Et ça retrempe. Elle est très embêtée par rapport à cette situation. Et vous pouvez voir qu'elle ne fait pas exprès. Et elle se demande bien, mais où est son mari en ce moment? Et elle comprend là qu'elle est vraiment sous une influence démoniaque. Elle change de position. Ok, merci. Merci pour votre patience. Ça arrive aussi au blanc, mais nous n'allons pas voir ça. C'est pas pour ça que nous sommes venus. Alors, nous voulons parler ici des phénomènes comme cela est donné dans mon thème, la pratique de protection contre les mariages spirituels. Et c'est ajouté non désiré. Et les visiteurs nocturnes, c'est-à-dire des visiteurs nocturnes qui ne sont pas désirés. Je voudrais commencer par dire que suivre l'intervenant avant moi. Un philosophe avait dit, nul n'est méchant volontairement si ce n'est par ignorance. Même quand quelqu'un trouverait que les démons sont bien pour lui, même jusque-là, c'est parce qu'il est ignorant. Parce que s'il avait la connaissance, il ne se laisserait pas aller. Et la Bible que j'étudie dit également que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, en ce qui concerne mon plan de travail, je vais parler sur trois points. Pourquoi les activités spirituelles, les activités sexuelles spirituelles sont-elles possibles et réelles? Et deuxièmement, est-il possible d'en être dégagé? Si oui, comment? Et troisièmement, c'est en conclusion. Et je voudrais commencer par nous dire que l'homme est effectivement tripartite, c'est-à-dire qu'en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, un homme, c'est vrai qu'il a le corps qui est fait de terre, comme l'a dit l'imam, mais nous avons l'esprit et l'âme. Et Dieu dit, il est écrit dans Colossiens 1, 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui. Qu'il me soit permis de nous informer que Satan n'est pas apparu ex nihilo, comme on dit.
mais que lui-même a été créé. Tous les esprits sont créés et tous les esprits ont un maître. Il y a quelqu'un qui les gouverne. Parce que si vous croyez en un Dieu qui n'est pas capable d'avoir le contrôle sur tous les esprits, alors nous sommes en danger. Parce que les esprits seront libres de faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que si les sorciers sont capables de faire ce qu'ils veulent, je vous assure, les sorciers seraient capables de changer un gouvernement. Ils seraient capables de mettre des corps à longueur. D'ailleurs, si moi, je l'ai rencontré, je dirais aux sorciers, tu prends 10 personnes et tu dis, chacun me donne 5 000 chaque fin du mois. Si vous ne donnez pas, je vous tue. Mais ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs. Il y a un maître, même au-dessus des sorciers, même au-dessus du diable lui-même, qui est capable de l'utiliser. Bon alors, la question que nous nous posons donc, Dieu lui-même, avec tous ces visibles et ces invisibles qui existent, en mettant de côté les phénomènes somatiques, parce que l'homme est un être psychosomatique, sont les rêves et tout, ce sont des activités normales qui peuvent être perverties par les esprits. Ça, on en a parlé. Alors, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons subir des attaques spirituelles? Nous pouvons les subir à cause du péché originel. Moi, je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que, en faisant les études d'occurrence dans la Bible, vous allez voir que la Bible parle des démons et tout ça et Satan 144 fois. Mais 2830 fois, il sera écrit, Dieu dit. Donc, la Bible n'est pas le livre de Satan, mais il est dans le livre qui parle de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? En fait, lors de la création, Dieu est esprit et il va faire l'homme esprit. Et la Bible nous dit donc que pour que cet homme domine, il va lui faire un corps. Et ça, c'est écrit dans Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma. Donc, il y a l'homme créé qui est spirituel, ex nihilo. Et il y a l'homme formé qui est fait à partir de la terre. Et c'est cet homme-là à qui il va donner son esprit. Et il va donc vivre dans le jardin avec lui. Et tout va bien se faire parce qu'il y aura une communion. Il aura un cœur pur. Et ça permet qu'entre l'homme et Dieu, il y ait une communion. En ce moment, on ne pouvait pas parler de démons, de visites démoniaques, bien que Satan était déjà là. Alors, pour que l'homme soit accessible à Satan, il a bien fallu que dans le jardin d'Éden, quelque chose arrive qui concerne la désobéissance du premier homme. Et quand il a désobéi, la Bible nous dit qu'il est... Parce que la Bible dit, Genèse 2, 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et il a effectivement mangé, il est mort. Je m'appuie sur la Bible, parce que plusieurs diraient que c'est le livre des colons. Mais excusez-moi, la Bible existe longtemps avant les colons, dont les papyrus ont été trouvés dans la mer, dans la mémoire, dans la cave de Qumran. Et on les a expertisés et on s'est rendu compte que la Bible datait de près de 2200 ans avant Jésus-Christ. C'est un livre, c'est un texte que je vais lire aujourd'hui. Donc, ça, c'est avant la colonisation. Alors, l'homme ayant donc été déchu, le risque dans toute cette affaire, c'est que Adam, après la déchéance, au lieu de faire les enfants avant le péché, a préféré faire les enfants après le péché. Ça, c'est le problème que moi j'ai avec lui. Le jour où je le rencontrerai, je lui demanderai bien pourquoi il a fait telle chose. Il fallait être très intelligent. Alors, la Bible nous dit donc dans Genèse 5, 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Donc les fils d'Adam seront spirituellement morts, comme Adam lui-même était spirituellement mort. Alors, lorsque quelqu'un est spirituellement mort, la Bible en parle à plus d'un niveau. Que vous soyez enfant, nous tous nous arrivons dans ce monde étant spirituellement mort, la Bible fait allusion dans plusieurs textes. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, si tous les hommes ont péché et qu'ils sont spirituellement morts, ils sont tous comme une vieille maison qui est abandonnée dans un quartier dont le propriétaire est mort. Et quand le propriétaire est mort, n'importe qui peut investir les lieux. Et alors, à cause donc de ça, nous pouvons donc être investis par les esprits. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.
Aujourd'hui, nous parlons des relations sexuelles. Je voudrais vous dire que ce n'est pas le seul travail des démons. Toute personne qui est spirituellement morte est comme une maison abandonnée et peut être et est infectée de tout genre de démons, même s'il ne tremble pas, même si ça ne le jette pas par terre, il en a quand même. Peut-être ça peut être des démons tranquilles. Et les démons les plus violents peuvent donc les conduire dans les relations sexuelles, spirituelles pendant leur bouche, comme nous pouvons voir. Donc, et ça, c'est, et nous avons donc comme conséquence. Vous savez que après le péché, Dieu a dit à Adam, au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On ne voit aucun serpent qui mange la poussière. Or, cette poussière-là ne peut être que l'homme lui-même, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors, en conséquence, nous pouvons donc nous rendre compte que l'homme ayant donc péché, étant spirituellement mort à le péché, comme c'est écrit dans Marc 7:21, la racine c'est dans son cœur, comme le disait l'imam, et que quand un homme vit, qui qu'il soit, il commet des péchés qui viennent de son cœur, qu'il le veuille ou pas. Et comme cet homme qui a 70 ans, il a au moins donc de sa conception jusqu'à hier, il a 70 ans de péché, plus les péchés qu'il fera aujourd'hui, qui sont ses péchés d'aujourd'hui. Et plus les péchés qu'il fera avant de mourir, qui sont dans son cœur, qui sont les péchés futurs. Ça, ce ne sont pas des choses que nous avons besoin de croire. C'est comme ça que nous sommes. Étant assis là où nous sommes, nous avons nos péchés passés, nous avons nos péchés présents, nous avons nos péchés futurs. Et c'est pourquoi nous pouvons être infestés des démons à n'importe quel moment. Et parfois, cette infection aussi peut venir de Dieu lui-même qui permet que nous puissions être agités par des esprits parce que. Vous le savez très bien, pour ceux qui ont fait le droit, Césaire de Carrière avait dit nous l'homme primet, nous la coena sinere. C'est-à-dire que sans loi, on ne peut pas punir quelqu'un. Et Dieu lui-même a tout fait de mettre la loi, Romains 5:13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Alors, quand il y a donc la loi, Dieu est capable de punir des individus en utilisant toujours ses esprits. Et on peut donc voir ici, dans ce texte, 1 Samuel 16, 14, Saül, les serviteurs de Saül qui s'exclament et disent, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, 15 dit, les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc, un mauvais esprit est bel et bien capable d'agiter un homme ou d'avoir des relations sexuelles avec lui. Et dans cette histoire qui est dans le livre de 2 Chroniques 18, verset 18, on peut bien se rendre compte de cette histoire d'Akab où Dieu lui-même, en réunion, décide que, en principe, Akab doit mourir. Et comme Akab doit mourir, il va donc demander aux esprits qu'est-ce qu'on peut faire. Et un esprit va dire, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dieu va lui dire, tu as bien dit, vas-y et fais ainsi. Ça, c'est Dieu qui gère les esprits. Alors, au vu de cet état de choses, le Coran lui-même en fait partie parce que je ne vais pas m'apesantir sur tous les sourates que j'ai pu mettre, mais nous pouvons quand même nous rendre compte que Satan, qui est appelé Iblis dans le Coran, lui-même a estimé qu'il ne peut pas se prosterner devant Adam qui est fait de terre, alors que lui, il est fait de feu qui est sans fumée. Voilà. Alors, à cause de ça, donc, lui, Iblis, le diable, va demander spécialement à Dieu de lui donner un temps avant de revenir. Et Dieu va nous dire que, effectivement, en ce qui te concerne, Iblis, je te donne le temps de tourmenter les hommes, de les tourmenter jusqu'à ce que j'arrive. Et je crois que si je trouve le texte, voilà. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc Satan a un délai, c'est pour ça que plusieurs l'ont déjà chassé et il n'est jamais parti. Parce qu'il jouit du délai qu'il possède et personne ne peut le chasser. Alors là maintenant, je vais enchaîner directement pour aller vite, pour comprendre que notre problème, si on essaie de juste vouloir résoudre les sensations des hommes au jour le jour, en fait, on agit un peu comme dans une maison, il y a une maison abandonnée. Quand la maison est abandonnée parce que le propriétaire est mort, alors
il y a les bandits du quartier qui investissent et vont l'acheter le champ. Ça, ce sont les premiers styles, les démons, les plus bas. Et subitement, un jour, les bandits de la ville arrivent et cherchent un endroit pour se réfugier. Ils vont à l'intérieur, ils chassent les bandits du quartier et ils investissent les lieux. Ils sont tous des bandits. Alors, pendant que ça se passe ici, Boko Haram arrive et cherche un endroit où loger. Eux-mêmes partent chasser les bandits de la ville et investissent les lieux. Donc, généralement, on est dans la théorie du remplacement. C'est-à-dire qu'on remplace les démons par les autres. Et c'est pour ça que dans beaucoup de milieux religieux, les gens sont dans des délivrances éternelles qui ne s'arrêtent jamais. Pourquoi? En fait, on ne fait que remplacer les démons. Par exemple, celui-ci était un mari de lui. Ah ouais, en fait, on le chasse parce qu'il était un petit démon. Mais il y a un autre qui prend sa place parce qu'en fait, c'est un autre démon qui l'a chassé. Or, à cela, je pense que dans des rencontres comme celle-ci, il est important de trouver un remède définitif. Peu importe comment chacun l'appelle, mais il faut pouvoir trouver, il faut avoir une réponse définitive à ce phénomène. Alors, quel peut donc est-il possible d'en être dégagé? Alors, peu importe pour ceux qui font la différence entre les dieux, mais il y en a un seul, peu importe comment vous l'appelez. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors, la seule chose pour régler cette affaire, c'est d'avoir l'esprit de Dieu. Je dis bien l'esprit de Dieu, je ne dis pas un esprit. Parce que si vous avez un esprit, oui, en fait, il peut encore être un autre bandit du quartier. Donc, il faut avoir l'esprit de Dieu. Et toutes les religions ont donc un problème parce qu'on ne s'accorde pas. Où est-ce qu'on va aller trouver cet esprit? Où est-ce qu'on prend donc cet esprit de Dieu? Alors, comme je suis donc basé, je me tiens dans la Bible, ce que je voudrais vous dire, ce qui est d'abord très clair, l'esprit de Dieu ne saurait entrer en un homme qui a le péché. Ça c'est pas possible. Ça ne se fera jamais. Si tu as le péché et tu as l'esprit de Dieu, il est tout à fait clair que c'est un autre esprit. C'est pour ça donc qu'on peut voir des personnes dans des milieux religieux qui parlent en langue, mais se réveiller le matin et dire qu'ils ont eu les couches toute la nuit. Et on se pose bien la question, comment donc avec le parler en langue, et parfois même c'est le chasseur des démons. Ça dit que la prophétesse, parce que là ça anime beaucoup plus de femmes, en ce qui concerne les rêves, c'est beaucoup plus de hommes. Mais en ce qui concerne les esprits qui ont des relations avec des humains, c'est beaucoup plus les femmes. Et parfois, elle peut être prophétesse et elle se lève le matin et vous dit que vraiment les démons m'ont poursuivi aujourd'hui, ils m'ont fait ça dur et ainsi de suite et tout. Même si elle n'est pas d'accord, elle, c'est vrai, elle n'est pas d'accord, mais ça arrive. Et on se pose la question, comment l'homme de Dieu, ou bien la femme de Dieu, bon, l'homme, femme de Dieu, peut avoir de tels problèmes? Alors juste c'est parce que à un moment donné, on croit qu'on a l'esprit de Dieu, alors que ce qu'on a n'est pas l'esprit de Dieu, c'est plutôt un esprit supérieur qui a chassé tous les autres petits esprits et a investi les lieux, qui aime bien lire la Bible, qui a aussi des visions, qui peut vous montrer tant de choses, qui peut guérir les malades, qui peut chasser les autres petits démons, et vous êtes étonné que vous avez des problèmes. Pourquoi? L'esprit de Dieu n'entre pas en un homme tant que vous avez un péché. C'est pour ça que pour éradiquer, et je le dis par expérience, pour éradiquer ce fait, et que vous ne puissiez plus être investi par un démon, pour demain, pour le restant de votre vie, pour avoir l'esprit de Dieu, il faut d'abord que ce verset qui se trouve dans Ézéchiel s'accomplisse. C'est-à-dire, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Une fois que vous en êtes purifiés, alors Dieu vous met son esprit. Et une fois que son esprit y est, il vous garde pour ne plus jamais être investi. Et ça n'arrivera plus jamais. Non seulement les maris de nuit, mais aussi tout autre esprit. Pourquoi? Et alors, comment? Parce que quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, 36, verset 25, verset 27, vous voyez bien l'ordre. On est d'abord débarrassé de toutes ces souillures. Et en plus, là, c'est au verset 27 que Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et vous observiez et pratiquiez mes lois. Permettez-moi de vous dire,
il est possible de pratiquer les lois de Dieu par la volonté de la chair. Et ça là, ça ne peut pas vous empêcher d'être possédé tout de même. Mais il faut être capable d'obéir à Dieu par son esprit, parce que en fait, Dieu ne peut être servi que par son esprit, mais pas par un homme. Il est servi par son esprit. C'est pour ça qu'à ses serviteurs, il donne de son esprit afin que vous puissiez le servir comme lui-même il veut. Alors comment ceci va se faire? Parce que je tire vers la fin. La Bible nous dit dans Actes 15, verset 9, ça c'est Pierre qui parle. Il n'a fait aucune différence entre les juifs et les païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc on purifie le cœur, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par des impositions de main, mais le cœur d'un homme est purifié par la foi. Et c'est pour ça que 1 Corinthiens 1:21 nous dit que il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, parce qu'il y a une prédication, et pendant cette prédication, la parole de Dieu sort, vous lave de vos souillures, vous amène à la repentance. La repentance qui est demandée également dans le Coran, que tout le monde devrait se repentir, et nous pouvons donc nous rendre compte que cette repentance vient de ce qu'on n'entend pas la parole de Dieu, et c'est ça qui nous lave de nos impuretés. Et que nous dit donc, quelle prédication devrons-nous donc subir, parce qu'il faut aller vite, quelle prédication? Alors, Abraham, qui est le père de la foi, nous dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc, dans cette prédication, nous avons besoin d'écouter Moïse. Et nous avons besoin d'écouter les prophètes. Et Jésus dit la même chose. Pour parler de lui, commençant par Moïse et les prophètes, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concerne. Paul aussi en fait allusion. Et maintenant, même le Coran en fait allusion. Pourquoi? Effectivement, à cause du péché d'Adam, en fait, en tant qu'ayant péché, Adam ayant péché, puisque lui-même se retrouve dans le Coran, il a perdu cette parure qu'on peut encore appeler l'esprit qui pouvait bien le couvrir. Et c'est pour ça que Dieu peut dire à Mohamed que tu es le revêtu d'un manteau. Et nous savons tous que revêtu, ça veut dire que c'est être vêtu pour la seconde fois. Donc, porter ce qui avait été perdu auparavant. Donc c'est tout à fait important pour nous en définitive. Nous avons besoin de comprendre que même dans le texte musulman, il nous renvoie à la véritable religion qui est la religion d'Abraham. Tout le monde doit se tourner à la religion d'Abraham. Or, la religion d'Abraham, c'est laquelle? La religion d'Abraham nous introduit chez Moïse, que nous avons besoin d'écouter, afin que nous puissions avoir ce salut et être définitivement dégagés des esprits méchants. Comme témoignage, pour finir, je me suis rendu au Tchad une fois, et pendant que je tenais mon séminaire, il y avait une dame députée qui est arrivée et qui... J'ai tenu le séminaire, à la fin, elle m'a dit, parce qu'il y avait une enveloppe, comme on dit, une enveloppe enceinte. Et elle m'a dit, pasteur, je suis infesté, je me dors, il n'y a pas une seule nuit où les gars ne me font pas ça, Dieu. Qu'est-ce que je fais? Vraiment, j'attendais, je lui ai demandé, est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Elle m'a dit, non, je suis venu à ce programme parce que j'attends la prière. Je lui ai dit, ok, gardez votre enveloppe et revenez la prochaine fois. Et elle est revenue la prochaine fois en écoutant la parole, et ça a été la fin jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle a fini par comprendre comment le Seigneur l'a rendu juste. Et il y en a plusieurs témoignages dont je ne peux pas faire l'apologie ici. Alors, pour conclure, je voudrais nous dire que dans le livre de Jean 8, verset 36, il est dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, on peut être libre, mais pas réellement. Et c'est justement les gens qui ne sont pas réellement libres qui dérangent. Parce que puisqu'ils ne sont pas réellement libres, ils promettent la liberté à des gens à qui ils ne peuvent pas donner une pleine liberté. Mais la véritable liberté ne peut venir que quand le Fils vous a franchi par sa parole. Et une fois que vous êtes affranchis, les autres
maladies peuvent avoir leur traitement de manière normale. Par exemple, Jean 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. En ce moment, quelqu'un qui souffre de sexomnie ou bien des rêves ou quoi là, le docteur est mieux placé pour vous apporter le traitement approprié ou bien l'herboriste. Ça, parce que vous n'êtes sous l'influence d'aucun esprit. Parce que ici, les anciens doivent prier en loignant d'huile. Cette huile, ce n'est pas l'huile d'olive qu'on achète ici à Villefranche, c'était l'huile où il y avait des plantes médicinales à l'intérieur. Et lorsqu'on vous soignait avec, ça avait des vertus thérapeutiques. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, si quelqu'un est malade, quand il est dégagé des esprits, alors les anciens prient pour lui, pour que Dieu lui accorde la guérison, et il va à l'hôpital pour prendre son remède. Merci beaucoup de m'avoir écouté.